Je dis d'abord l'évangélisation. Prenez la parole de Dieu. Vous entendrez l'œuvre de Dieu qui le fait. Quand il a entendu que Adam est perdu, quand il descend, c'est pour le chercher. C'est pour lui demander. Où es-tu, Adam? En d'autres termes, Dieu voyait dans la présence. Adam n'était pas au rendez-vous. Et c'est pourquoi il dit non, cherchez-les. L'évangélisation. Il est écrit dans la parole. L'on demandera l'âme de l'homme à l'homme.